Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est SP Sonic et on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau Wakfu sur Ratchet & Clank, premier du nom, hein, le tout premier, qui était sorti en 2002. Donc là, c'est le remake PlayStation 3 qui fait partie de Ratchet & Clank Trilogy, donc en HD, et en 16/9. Donc on va commencer tout de suite une nouvelle partie, donc je vais vous laisser regarder la cinématique, et puis j'espère que ça vous plaira, hein, à tout de suite. Dernière étape, brancher le système d'allumage robotique. Merci d'avoir fait appel à la technologie d'assistoligne. Apparemment, il y a certaines cinématiques qui sont pas en HD. Bah écoutez, ça je peux rien y faire. Donc on se retrouve, donc si vous connaissez pas la série Ratchet & Clank, donc on se retrouve avec ce personnage là qui s'appelle Ratchet. Donc en principe il a ouais, une clé, donc dans tous les jeux il aura cette clé là. Ah, j'ai pas le lance-flingue, enfin j'ai pas le petit pistolet, j'ai que le... là on a, je vous explique un peu le jeu. Donc en fait lui c'est Ratchet, donc c'est un Lombax, une forme de vie dans la galaxie de Polaris, je crois que c'est dans le nom, j'espère ne pas dire de bêtises, qui veut partir à l'aventure à travers les autres planètes de sa galaxie. Je crois que c'est galaxie, hein, j'ai un peu de mal avec tous ces noms. Et lui c'est le héros de la galaxie, donc le capitaine Quark, hein, le super héros de la galaxie. On va le voir très bientôt, mais vous l'avez vu, il veut partir à la découverte de l'univers ou de la galaxie, je ne sais pas trop exactement la différence, s'il y en a qui connaissent dans les commentaires, ça peut le dire. Donc il construit un vaisseau pour explorer les autres planètes, je ne sais pas si on peut les voir, tiens on en voit une là par exemple, ou encore celle-là ou celle-là, ou je ne sais pas ce qu'il y en a d'autres, enfin bref, il veut partir là. Donc à la découverte des planètes, j'ai réussi à le dire. Et pour cela, il a construit ce vaisseau-là, mais lui manque l'allumage robotique qu'il n'a pas, vu que c'est qu'il n'a pas. Donc il peut pas partir de la planète et il vient de voir le vaisseau du petit robot qui s'échappait de l'usine se cracher sur la planète. Donc là, l'objectif, ça va être de retrouver le petit robot. Donc là, je récupère des boulons, c'est la monnaie dans le jeu, hein, qui sert à acheter des armes, des munitions. Plein d'autres choses, peut-être des améliorations pour le vaisseau, je sais pas si dans le 1 il y a. Bon, je sais pas. Donc je vous dis dans le 1, oui je précise, parce qu'il y a en tout, je crois qu'il y a 9 volets, donc je les ai tous faits. Hein. Donc il y a Ratchet & Clank 1, 2, 3, Gladiator, La Taille ça compte, Agent Clank,
Opération Destruction, Quest of Body, il m'en manque un, Kraken Time et Alone for One, All for One, enfin je sais plus, ouais All for One je crois que c'est. All for One, donc ça s'écrit avec un 4 le fort. All 4 One. Donc je pense que ça se prononce fort, on va le prononcer à la braise. D'ailleurs, si vous préférez que je... dites dans les commentaires si vous préférez que je prononce Ratchet et Clank ou Ratchet et Clank. Donc à l'anglais ou en français. Parce qu'il n'y a pas vraiment le titre, c'est... à chaque fois c'est écrit le « et », le petit signe bizarre. Hein. Donc les nanotech, c'est voilà, ce qui est écrit, c'est la vie en fait. Vous voyez, c'est les petites boules rondes. Là, ça sert à récupérer de la vie, donc regardez, s'il me touche, lui il va me mordre. Voilà, vous voyez, j'ai perdu une vie, là j'en ai 4, et hop, je l'ai récupéré, vu qu'il y avait une nanotech à côté. Voilà, je tue. Donc ça c'est les petits ennemis, hein, pour l'instant ils sont faciles. Donc dans le jeu on a deux armes principales, enfin deux classes d'armes principales, donc la clé et les autres. Donc les autres c'est les bombes comme ça. Boom. Donc au début des jeux ça sera des armes assez basiques, mais plus on avancera dans le jeu, plus ça sera des armes assez dévastatrices. Enfin je pense notamment quand on arrive à la fin du jeu, le TLT, hein, qui est juste complètement cheaté. Ça vous tue tout ce qu'il y a sur le, devant vous en 2 secondes. Pour battre les boss, vous videz le chargeur de l'arme sur le boss, il est mort. Enfin, c'est quand même, enfin pour l'instant, je pense que vous vous rendez pas très compte avec les boss. Aïe. Mais c'est quoi ça, c'est ça. Donc ça, les caisses avec un G, c'est les caisses de munitions. Donc vous voyez que j'ai récupéré 3 caisses pour le gant gadgetron. Donc le gant gadgetron, c'est tout simplement ça. Hop. Voilà. Donc je trouve qu'ils ont pas énormément refait les décors. Enfin maintenant ça fait un moment que j'ai pas joué à la version PlayStation 1. Salut les filles, hop là. Ah non, mais tiens, viens. Donc on peut pas se blesser avec nos propres armes. Alors, heureusement je vais vous dire parce que sinon ça serait un peu la galère. Sinon niveau réglage, s'il y a des choses qui vous sont pas encore très très bien réglées, ça sera à réparer pour la prochaine fois hein, normalement. Je sais pas que tu te sauves toi, mais ça sert à rien de te sauver, hein, je t'éclate quand même. Mais hop là. Normalement. Ah attends, il y a un truc qui va pas. Option. C'est donc quoi? Caméra? Non. Sous-titres? Peut-être, ouais, je vais vous les mettre au cas où que je parle malheureusement pendant que ça, pendant que il parle aussi. Bon, il n'y a rien d'avoir rien d'autre. Ah, il n'y avait pas le. Peut-être appuyer sur une touche, je sais pas. On dirait pas. Hein. Ouais, je regardais pour ceux qui connaissent le jeu, pour avoir la. Je sais pas comment dire, le déplacement latéral, je crois qu'ils appellent ça. Ah bah tiens, ils sont entretus, c'est nickel. Donc je pense que ça sera pas un Wakfu exactement à 100%. Hein. Donc je récupérerai tous les boulons en or. Mais je récupérerai pas tous les points de compétence parce que j'ai pas. Ça, c'est une vraie torture. Hein. Ah, toi quand tu vises, tu en moyen. Ah, t'es mort. Toi quand tu tires, tu bouges plus après. Ah bah donc on voit Clank dans le trou là-bas, je sais pas si vous voyez là. Je sais pas s'il y a quelque chose de... donc je vous ai spoil un petit peu. Hein. Donc le robot s'appelle Clank, hein, Ratchet et Clank. Je vais se regarder la cinématique. Intéressant. Vous êtes doué en mécanique. Tu l'as dit. Mais j'ai monté ce vaisseau tout seul, tu sais. Je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire. Pourriez-vous m'indiquer où trouver cette personne? C'est-à-dire que j'en connais un, mais je crois qu'il bosse à la radio. Mais sinon, non. Et c'est quoi le problème avec le système solaire, au fait? Très chers habitants de... Nous, les Blargues, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée. Mais moi, Président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez certainement quoi cela vous concerne. Grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas, nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre.
Hélas, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. Elle dérivera jusqu'au soleil où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente. Mais certains sacrifices sont nécessaires. Merci de votre coopération. Et si vous n'êtes pas content, bande de sales morveux, géniards et pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos jérémiades et vous les foutre au... Tu filmes encore? Eh ben arrête, crétin! Et où sont passés les habitants de ces planètes? En tout cas, mon petit bonhomme, j'espère pour toi que Quark va t'aider. À vrai dire, vous pourriez m'aider. Si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'inforobot, je pourrais certainement en apprendre plus. Ah, ben ça, je pourrais pas, même si je voulais. Tu sais quoi? Il me manque un composant essentiel du vaisseau. Le système d'allumage robotique. Bah, comment tu sais ça, toi? Il se trouve, monsieur, que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique. Ma programmation me permet de démarrer tous les vaisseaux. Ah, donc si je t'emmène jusqu'au... enfin, là où tu veux aller, tu fais démarrer mon vaisseau, c'est ça? J'allais vous le proposer. Ça roule. Ouais, donc pour ceux qui n'auraient pas compris, les deux vaisseaux qui se posaient, c'est ceux qui étaient à la poursuite de Clank. Hein. Donc Clank, c'est le petit robot, ils sont pas encore présentés, mais... Ça pourrait nous gêner. Occupe-t'en. Waouh, c'est génial! Alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps? S'il vous plaît, veuillez reprendre les commandes, monsieur. Hein? Ouais, pardon. Tant qu'on y est, tu peux arrêter avec tes monsieur? Moi, c'est Ratchet. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Et toi, c'est quoi ton nom? Mon numéro de série est B542. Bon, bah je t'appellerai juste Clank, hein, c'est plus court. Allez, c'est parti! C'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir. Foutaise, je ne tolérerai jamais ça, jamais! Eh bien, en fait, on ne vous demande pas votre avis. Je crois que le capitaine Quark ne sera pas content d'apprendre ça, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que cela a de drôle? Le capitaine Quark pourrait se débarrasser de vous en un tour de main, espèce de... Vous avez maintenant, officiellement, dépassé les bornes de ma patience! Pour la dernière fois, coupez court à cette folie, tout de suite! Bon, d'accord. J'ai eu tort. Je vais retirer mes troupes. Vraiment? Non! Il est à vous, messieurs. Et surtout, ne laissez pas de traces. Il y a un petit crash. Clank, où est-ce que tu te caches? Par ici. Oh, vraiment désolé. Bon, ben on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. À condition qu'il en reste. Voilà, donc on se retrouve sur une nouvelle planète. Donc je pense que je vais pas trop vous spoil. Bon, enfin si on peut regarder. Donc c'est vraiment des... C'est... Ratchet et Clank, c'est vraiment des univers très très beaux, très colorés, très... Enfin, la part graphique, franchement, elle est vraiment... Super. Bon, ça, c'est sûr qu'il y a d'autres jeux, c'est des trucs complètement différents. Hein. Mais personnellement, j'adore. Donc, revenons un peu sur ce qui s'est passé. Donc, Ratchet... Clank, c'est pas son vrai nom, mais c'est son numéro de série. Et puis dans Cracking Time, on en apprend encore d'autres sur Clank. Je vais pas vous le dire parce que ça risquerait de vous perturber. Mais peut-être que si ce let's play marche, ce Wakfu, je veux dire, parce que c'est un Wakfu avec les bourgeois nord, donc c'est Wakfu, c'est pas let's play. C'est la différence entre Wakfu et let's play, enfin, ou Playthrough et let's play, apparemment c'est la même chose. Tiens, confirmez-moi dans les commentaires pour ceux qui savent. Apparemment c'est la même chose, let's play et Playthrough. Mais un Wakfu, c'est bien un truc où on fait quasiment à 100%. Donc là, je double les points de compétence, mais. Enfin, c'est. Attends, je sais pas si je peux. Je sais même pas si je peux vous les montrer. Comment je fais? Je crois que je peux même pas les montrer. Non. Vous avez vu un peu l'histoire du jeu. Donc c'est le président Drake qui a une planète toute polluée sur les bras. Et il se fait pas chier, il veut reconstruire une. Avec les autres planètes. Donc ça c'est le vendeur d'armes. Donc ça le gon à bombe je l'ai. Donc les munitions, la munition je crois que c'est 5. Attendez, on va essayer. Ouais, oh, c'est cher.
Ah ouais, en plus, c'est le vieux menu. Ah oui, j'ai plus l'habitude. Et ça, c'est le pyro lance-fer. Donc, j'ai pas les moyens. Vous voyez que j'ai 1400 pièces d'or en haut à droite. Pièces d'or, qu'est-ce que je raconte? 1400 boulons. Et qu'il m'en faut 2500. Donc, j'ai pas assez. On en verra. On achètera ça plus tard, hein, rassurez-vous. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire pour l'épisode de commencement. Donc, je sais pas absolument pas quelle durée il fait. J'ai pas regardé l'heure. Je sais à quelle heure j'ai commencé les réglages pour le let's play, mais je sais pas à quelle heure j'ai le wakfu. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi au cours de ce premier épisode. Et on se retrouve prochainement pour le deuxième épisode. Allez, à bientôt, salut à tous, à bientôt.